Ensemble avec nous sur la Voix d'Amérique VOA Créole, Guy Philippe, ancien sénateur de la République, jeudi à qui a mené en bataille contre le pouvoir en place là et qui lance son mot d'ordre de révolution. Guy Philippe, bienvenue sur la Voix d'Amérique VOA Créole. Abdou, bonsoir. Bonjour, bonjour et salut tout le monde qui cap coûté nous. Que la diaspora, que l'en Haïti, et me salue nous-mêmes et qui bonne opportunité ça pour nous parler avec nous. Et c'est toujours un plaisir pour nous parler avec Voix de l'Amérique. Son plaisir pour nous parler avec vous tout, fois ça ou en Haïti et gagner des dénouements d'actualité ou dans le centre de l'actualité, je vous dis. 7 février, qui s'est passé exactement? Gagner l'air au terroir dans la cour Port-au-Prince, particulièrement précisément dans Pétionville. Et puis, un incident qui arrivait, nous allons expliquer nos beaucoup de ports qui s'arrivaient à Jean-Bé Sapio. 7 février, qui s'est passé dans la cour Pétionville? Bon, 7 février, même j'en ai toujours dit, les populations, on a appelé avec au Port-au-Prince pour nous manifester et pacifiquement, paisiblement, et pour nous demander départ à Ariel Henry qui, depuis plus que 31 mois, pas pour mettre un. Et insécurité tout partout, le pays n'a pas vivre, pas l'école, pas grand-chose qui a marché dans le pays. Donc, il était supposé faire 4 mois, il y a 3 ans. Donc, nous devons faire une marche pacifique pour nous demander et pour le retirer l'école et sous pouvoir et bien Haïti en chance. Malheureusement, et forme tout tout, et j'en dis dans la présentation. Donc, on a rappelé que nous avons parlé avec Guy Philippe qui a un problème technique dans le moment. Tout ça, il y a l'argent. Donc, il a demandé de reprendre pour nous un petit peu. Nous avons eu un arrêt dans le signal, il était freeze en quelque sorte. Reprendre un petit peu, ou avancer sur ta dire parce que nous n'avons pas de temps. Oui, je vais dire que 7 février, même j'ai noté pour mettre peuple là. Nous sommes là pour au prince et puisque nous sommes pour mettre là, nous sommes là pour nous accompagner nous dans un match pacifique et pour nous demander départ et Premier ministre de facto Ariel Henry. Tout le monde connaît que Ariel Henry a dû passer 4 mois. Et comme Premier ministre, s'il a gagné autorité pour ça même, parce que moi-même quoi que le président a en balle tout papier pour le déballer, pour le remplacer, bon, s'il prend le genre là, normalement c'est 4 mois. Donc depuis 14 novembre 2021, Ariel Henry sont usurpateurs, ils sont volés en pouvoir. Et qu'on y a là, plus que 31 mois. S'il a fait un bagage sérieux, peut-être le peuple a été capable de résilier, de garder côté de Bralé. Mais nous, ouais, tout le monde constate. Al mal pas au prince Bordeaux, c'est pas qui va être plein. Soit là, lui, soit grand, oui. Soit là, oui, soit Haïti. Capital la LED. Ariel Henry pas fait rien. Gang tout partout. Insécurité tout partout. Si mon bagage à l'école, rien pas fonctionner. Pas de travail. Misère tout partout. Kabouel, il parle pas pour Kabouel, n'a fait tout le monde. Donc c'est dans le cadre de ça, nous avons fait des manifestations ça, pour nous demander départ Ariel Henry et permettre que Haïtien prenne responsabilité Haïti dans la main. Malheureusement, combattre Ariel Henry, ce n'est pas Ariel Henry seulement. Combattre Ariel Henry, pour faire n'importe qui ça, puis aucun statut quoi, puis aucun système là. Donc c'est dans le cadre de ça que. Oui, oui. D'après l'interrompre pour me dire que vous dites que c'était 7 février, c'était une manifestation pacifique pour demander départ pour le ministre Ariel Henry sous pouvoir. Mais nous étions dans la rue Port-au-Prince et à travers les vidéos qui ont circulé, peut-être pas forcément dans Port-au-Prince, mais de différents côtés et peut-être dans la capitale là, des hommes armés. Et c'était à Jean-Bé Sapio, ils étaient armés. Qui ont expliqué ça puisqu'on a parlé de manifestation pacifique pendant que des gens sont armés dans la rue? Premièrement, je dis que BESAP, c'est une organisation, c'est un bagage gouvernemental. Donc c'est le président Jovenel qui crée et dans la loi qui crée, il n'y a pas de zam. Est-ce qu'on peut dire la police nationale pour le zam? Est-ce qu'on peut dire la médaille d'Haïti pour le zam? C'est même gens ça, Bessapio, qui gagne attribution, qui a le zam. C'est la loi. Ce n'est pas moi, ni vous-même, ni l'autre monde qui peut dire qui est-ce qui gagne le droit, sinon la loi. La loi claire sur ça. Donc agent Bessap qui était là et dans le cortège là, qui a assassiné, il n'y a pas de machine. Les gens étaient paisibles, les gens n'avaient pas dit côté que la vie en police était en danger, ou bien ils étaient posés un risque pour la société. Les gens, c'est canapé vert, nous avons descendu, nous avons sécurisé la population qui était dans la rue pour manifester, et manifester tous mes contentements. Ou bien nous avons un policier, ou bien nous avons un agent de SAP, ou bien nous avons un militaire, mais nous sommes haïtiens. Et si nous avons un cas formel, nous avons un droit de manifester, nous avons un droit de dire que ça a formal, il faut que ça change. Nous avons dans le cadre de ça que l'agent de SAP est sorti pour aller faire position au passé. Et ça, c'est agent Philippe, agent Bessapio, en quelque sorte, il rejoint Kozoua, il rejoint Revendication Port, il rejoint, il est allié ensemble avec vous, il y a un mouvement révolution quoi pour nous. Il rejoint le peuple haïtien.
c'est pas moi rejoindre, yo té sous canal là, y a défendre Haïti. Les bagages yo bon, yo défendre. Même yo té campé pour canal là pour le tout statut quo, tout système là té contre ça. Donc 6 semaines ça, yo senti que revendication que nous même n'a porté à y rentrer dans sang yo, yo campé, yo dit oui, faut que pays a changé. Donc c'est citoyens oui, yo gen droit et gen position politique, yo sont un sujet bien gen position, sont sujet bien déterminé. Mais c'est le fait est certain que nèg yo assassiné en équipe moun qui pas poser aucun danger, qui pas agressif, qui était en dans machine yo, d'ailleurs tellement pas sous mode bataille, sous combat, yo était plus que 13 non seul pick-up, donc nèg yo pas sous bataille. Que moun ba vinn ba excuse, faut excuse, nèg yo assassiné en équipe innocent et pour voir un message à la population. Nèg ben ça ça mourir, c'est plus un message yo vle voyer ma population et nèg yo gouvernement nèg qui planifier pour ça yo, yo te pensé que me dans la machine. Et quoi qui planifier c'est chef sécurité premier ministre Patrick Dorméville, bon frère Tibouchon, c'est commissaire Barison, c'est DCPA et Franz Mathurin, c'est magistrat Pétionville là, c'est moun ça yo avec ancien chef sécurité PM Laurent Lamotte, c'est moun ça yo qui te nan planifier et financer sa fête et 7 février. Tout le monde connaît son bagage, tout le monde connaît et gain témoin, gain monde qui a témoigné. Donc c'est ça, c'est le gouvernement qui décide assassiner monde pour un message clair pour dire mais qui ça prêt pour nous faire. Et pour faire le plus mal, yo prennent yo, yo lagué au non trou dans fosse. Est-ce que c'est sérieux? Femme yo va même caboué yo. Yo prend yo tout enterré yo en tout uniforme yo. Donc son message que gouvernement sadique, gouvernement criminel ça voyez bah tout ton peuple. Je vais tout profiter de mes peuples haïtiens. Pas démobiliser. En cas de mobilisation, on continue. En bataille. En ouais. Si nous avons déboulonné. Et nous avons déboulonné. Système ça. Non seulement Ariel Henry, mais tout le monde qui a back up Ariel Henry, il faut que vous compreniez que Haïti n'a pas fait back. Nous avons continué avec la mobilisation. Nous avons avancé jusqu'à ce que Ariel Henry aille. Il n'a pas venu régénérer le système. Nan. Pas de monde qui a retiré Ariel, venir mettre l'autre monde système encore pour continuer à craser Haïti. Ça n'a pas fait. Non, maintenant, Kounia Mamando, qui prochaine étape, 7 février, est-ce qu'on considère que 7 février, c'était un échec? C'est un monde qui dit que bon, ça peut arriver fait, ça que tu es supposé faire là, révolution, eh bien, départ à Ariel Henry, il y a encore sous pouvoir. Et avant de répondre à la question, ça, qui est impression, qui feedback, ou les réactions, du moins, de discours ça, que le Premier ministre Ariel Henry fait, côté que lui-même, il parle clairement, il dit clairement, et haut et fort que lui-même, il peut aller. Après l'élection, en fait, il a organisé l'élection, il va passer en phase conseil électoral pour faire l'élection dans le pays. Réaction. Vous trouvez son jouet, il y a 31 mois, il va me faire un conseil électoral. Quand il y a une transition, va remplacer une transition. Pourquoi est-ce que j'ai une autorité ça? Je ne sais pas ce qui est la base légale de camper pour l'abdi tout ça l'abdi à la. Qui est-ce qui fait le Premier ministre? Où est son tweet en ambassade, ambassadeur, vous voyez? Quand vous voyez, vous dites le Premier ministre, le Premier ministre. Donc Ariel Henry Kounia c'est lui qui a décidé qu'il est mandat fini et même lui-même qui a créé conditions pour élection qu'a fait c'est lui qui a créé conditions pour élection pas jamais fait. Mettez gang tout partout, armé moun tout partout, prend l'argent l'état, voler l'argent l'état pour financer assassinat. Donc nèg ça qui créé environnement ça. Kounia c'est lui-même encore qui a dit c'est l'élection faite, l'autre monde vini nèg ça pas jamais quitter l'élection faite. Puisque c'est lui qui contrôle toute gang, c'est lui qui contrôle toutes les autres qui ont fait dans le pays, c'est lui qui a amené les jeunes garçons, c'est lui qui a financé tout le bagaille. Donc, est-ce qu'un pays qui a sous compte, un irresponsable comme ça, un criminel comme ça? Donc, de toute façon, il a balé, il a dit ça. Mais le peuple là, c'est pour nous continuer avec la mobilisation. Nous. Diaspora, population Haïti qui a vivé en Haïti, a compté en pile sur nous. Pieds nous marrés, pieds liés. Mais nous-mêmes, nous avons aidé. Nous avons combattu, nous avons aidé dans la bataille. Donc, tant que vous souffrez tout haïtien, pas découragé, prends courage. Bataille la plongue, la bonté j'en plus longue que nous dépenser. Parce que les criminels sont prêts pour faire tout le bagaille, pour protéger le pouvoir, pour protéger le statu quo, pour protéger le système. Nous, même c'est avec la même détermination, ça seulement nous avons déraciné le système. Ça. Et qui prochaine étape là? Puisque on a bataille où on a renouvelé encore, on a lancé appel là pour nous mobiliser. Et réaliser alors, permettez-moi de faire remarque ça, ou dit mobilisation, pas parler de révolution. Par contre, si on a une différence, mais qui prochaine étape là? Prochaine étape là, nous commençons déjà, nous-mêmes, nous avons parlé entre nous, et les gens qui ont pris décision et pour bagaille révolution, j'en dis, et révolution va camper, révolution va continuer. Haïti n'a pas de problème, élection seulement, il y a un problème, base structure l'État pas bon.
faut que nous changions la structure de l'État. Et ça, c'est une révolution. Moi, je vais un message clair par le secteur international qui a protégé des autres qui ont fait là. Le secteur international qui finance et protégé l'assassinat à Jean Bessapio. Oui, il y a là-dedans. Oui, que vous avez fait hypocrisie, hypocrite pour proposer ces démocraties. Tout le monde connaît, tout le monde ouais, tout le monde comprend. Intention, c'était assassiner parce que vous avez toute information que vous avez dans la machine. Ça. Mais heureusement, bon Dieu, épargne la vie. Malheureusement, nous perdons un paquet de nègres, un paquet de monde important, un paquet de monde sérieux qui est en Haïti. Nous disons, les gens qui ont essayé par tous les moyens pour empêcher une révolution pacifique faite dans le pays, c'est eux-mêmes qui sont responsables qu'une révolution violente vienne faite. Parlant de l'international là, ou encore une fois accusé international qui a supporté, qui a justement supporté l'assassinat, ça qu'on dit, qui était fait le jour 7 février. À nous parler avec le chargé d'affaires là lui-même, chargé d'affaires et département d'État en Haïti, ambassadeur Eric Strohmayer, ouais, qui prend des positions. Et ou sous la voix d'Amérique, c'est un channel côté que vous branchez, vous regardez, vous suivez. Qui message vous avez gagné pour par exemple pour l'ambassadeur Eric Strohmayer et la communauté internationale là, en général? Bon, moi c'est que l'ambassadeur, ça, si c'est un pays sérieux, je suis supposé retirer dans le pays. Mais ce qui est en pile bagarre internationale, convention de Genève, de Vienne, bah, il y a un pile bagarre qui dit mais qui sont diplomates qui ont fait dans le pays, mais qui sale qui a dit, mais qui sale pas qu'a dit, il n'y a pas entrer dans la question politique en pays. Mais diplomate ça lui-même, il décide de faire n'importe déclaration que le veut. Lui-même prend pense que son proconsul en Haïti et il pensait que tout le monde a supposé boire ça la bière. D'ailleurs, il m'a demandé pour qui raison pas ambassadeur encore. Pour qui raison quitter côté le DEA là. Qui ça passe? Et pour qui raison actuellement, je pense que même en Haïti encore, il transféré. Ça l'a fait. Ça l'a arrivé. Donc, je pense que j'étais habitué tout le temps, quelques ambassadeurs, surtout gros pays, il y a entré bouchon dans Haïti. Mais ça a suspend. Ça a fini, ça doit finir. Il est le temps pour les Haïtiens prendre contrôle Haïti. C'est ça qui fait que le gouvernement, le gouvernement, mettent ensemble pour financer l'assassinat moi-même, Guy Philippe. Oui, il a comploté. Il a fait ça au cap fait pour assassiner. Mais moi, je dis c'est jouer à jouer, c'est rincer à rincer, mobilisation à continuer, révolution à continuer et Haïti à changer. Et pendant qu'on parle de l'international là, vous faites des accusations, hein, sont accusations, ou accusé international là, ambassadeur, yo. Bon, on ne pas dire qui paye exactement, mais ou accusé et des membres de la communauté internationale qui voulaient assassiner. Yo. Pendant que vous perception que Guy Philippe gagne ou main internationale d'elle, perception ça allait tomber là dans un moment, vous pensez? Donc c'est même perception ça, que Guy Philippe tellement gagne blanc d'elle, il a kidnappé le pendant le sénateur. Il veut faire tout le temps ça et illégalement, il a mis le nom en prison. Donc c'est même blanc ça avec Guy Philippe qui avait qui manquait assassiner Guy Philippe. Donc bah ça yo pas même cohérent, pas même besoin parler de ça. Tout le monde connaît, faut que monde parler, faut que monde renseigner, faut que monde voyer monter. Quitter ou voyer monter. Mais en fait est certain, pas bien qu'un haïtien qui saute assez pour comprendre que si Ariel Henry là toujours a fait des ordres que l'a fait toujours, c'est parce que corps groupe là campé d'elle. C'est parce que corps groupe là a financé, corps groupe là a supporté et corps groupe là responsable autant que Ariel Henry a criminel lio pour tout sang. Cap coulé en Haïti. Sans cap coulé dans le côté gang à faire et ça vous voulez faire, kidnapper, violer, faire tout le bagaille, sans cap coulé le gouvernement lui-même tout. Non seulement la volé tout ça l'état gagné, mais cap financé assassinat, cap fait assassinat politique. C'est pour ça que tout passé là. Est-ce qu'on a des monde qui j'aime parler de assassinat 5 agents Bessapio, vraiment vrai dans l'international là? Ou après, vous j'aime mentionner parce que vous connaissez que c'est vous responsable. C'est ça lié. Ariel Henry pas rien pour faire tout ça l'affaire. Si international là-bas d'elle. Très bien. Guy Philippe Taler, vous avez parlé, vous dites que les mandos qui prochaine étape là, évidemment, vous dites que vous avez fait des concertations, vous avez parlé avec l'autre peut-être allié, l'autre compatriote, camarade qui sont censés même lutter ensemble avec vous. Est-ce que vous avez une alliance, et d'accord, peut-être pour le moment ou bien dans le futur, avec l'autre parti, l'autre monde, l'autre leader politique, nous sommes sous béton tout le jour manifestation 7 février, notamment Petit Dessalines, et ensemble avec. Claude Joseph m'a parlé donc de l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles et Claude Joseph. Gagné une alliance ou parler à Mounsayo, nous ensemble, est-ce qu'on a même bataille ensemble avec nous, nous dans le même camp en quelque sorte? Personnellement, moi avec le sénateur Moïse Jean-Charles, nous parlons souvent, nous parlons plusieurs fois. Et équipe politique, nous, hein, équipe qui a organisé, qui là, qui des révolutions, que ce soit dans l'international ou les gens qui vivent en Haïti, et nous connaissons, nous avons un mandat pour parler avec tout secteur. Toute partie politique pour nous comment nous avons une solution à la haïtienne pour nous sauver Haïti cette fois pour tout
pour les mouvements peuple encore dans même. Même j'ai fait en 1986, même j'ai fait en 2004, même j'ai fait en 1806, tout le temps. Yo derrière prend et voler mouvement peuple la semaine ça c'est pour nous mettre tête nous ensemble c'est pour nous mettre division derrière pour nous avancer non seulement intérêt peuple haïtien pour nous retirer Haïti une fois pour tout en salier là bah yo pas capable continuer comme ça ti moun a mouri grand goût grand moun a cordé en bas la misère ti moun pas à l'école pas gain soin de santé pour femme pas gain soin de santé pour aucun monde en Haïti pas gain travail jeune nous désespérés tout cerveau nous a quitté pays là il y a le Chili il y a le Brésil il y a le Saint-Domingue il y a les États-Unis il y a la France il y a le Canada tout monde a quitté qui ça qui Haïti nous va gagner qui ça n'a quitté pour petite nous yo qui ça n'a quitté pour petite petite nous yo nous quand nous arriver dans temps et peuple haïtien a montré le sous ça peuple haïtien a montré le déterminé et ça comme dit nous mêmes on continue on lutter on bataille et on sauver Haïti cette fois-ci peut-être en Pilino sont tombé tant que Jean Pilino sans ça va tomber 7 février peut-être n'importe nous a tombé mais faut que bataille là pas jamais camper faut qu'il continue pour bien Haïti. Une bataille qu'on a menée avec des alliés. Vous mentionnez que ou a pour parler, c'est évidemment qu'en politique, ou a parlé avec l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles. Mais et Claude Joseph n'a pas contact avec lui, n'a pas gagné alliance avec Claude Joseph lui-même. Oui, il y a un mandat pour contacter l'ancien premier ministre Claude Joseph, okay. Pour contacter un pile l'autre regroupement politique et parti politique. Donc, je pense que jeudi, encore, il y a pour parler, il y a parlé. Et j'espère qu'il y a une solution haïtienne. Pas gen aucun bagage que blanc encore groupe pour venir bailler dictat a venir dire mais qui monde qui venir diriger Haïti mais qui monde qui pour diriger Haïti si on t'a aidé nous t'a aidé déjà si nous si monde sorti dans misère nous t'a fait sortir dans misère déjà donc on compte sur peuple haïtien pour comprendre c'est nous haïtiens seulement qui ca sauver Haïti nous besoin support international là mais c'est pas eux qui décider qui ça nous besoin n'a parlé avec eux en ami et si vous voulez aider y a aider mais pas dictat. Mbalmando, évidemment, objectif là, avant de venir sur objectif là, mais qui sont faits quand même de communauté internationale là, qui accompagnaient et qui a gardé de loin et acteurs qui sont place en Haïti, yo, différents partis politiques, yo, leaders qui chita au bon table, qui a essayé de jouer un accord finalement. C'est vrai, il y a 2 ans à chercher un accord là, mais yo, toujours chita, il y a essayé qui sont capables de sortir nos crises, qui sont faits de tout accord ça, yo, de tout chita parler ça, yo, qui peut-être t'a qu'à déboucher son bagage. Qui est sérieux qui a dit qu'il y a un accord avec Ariel Henry? Qui m'ont sérieux pour dire que je bon table avec Ariel Henry, qui est mon pays depuis 31 mois dans ce là pour voir si on a un accord pour Ariel Henry rester sous pouvoir, pour partager un pouvoir, pour prendre un petit bout dans le gâteau. Semaine ça, on va prendre un petit bout dans le gâteau. Semaine ça, c'est pour nous dire blanc, ok, ou bien 2 ans, on va essayer de pas joindre. Quittez nous-mêmes haïtiens, nous joignons, nous avons présenté la communauté nationale et internationale. Et il y a une bonne foi, nous, il y a une bonne foi, tout acteur haïtien, et nous avons une solution pour Haïti. Mais est-ce que seule solution blanc pense que bon? Est-ce que seule solution internationale pense que bon? Faut que c'est lui-même qui dicte. Il a dicté depuis plus qu'un siècle. Depuis après l'assassinat du président Lecomte, il a dicté nous. Mot à mot, ça pour nous faire. Yo, ouais, qui j'en paye à tomber. Yo, ouais, j'en ai échoué. Yo, ouais, si nous là, je dis, c'est à cause de yo. C'est yo qui met premier ministre. C'est yo qui met chef police. C'est yo qui met ministre justice. C'est yo qui contrôle le pays. Garde dans qui est à pays. Mais ça, il va payer en chance. C'est ça me décap dire. Quitter haïtien, jouer nos solutions. N'a présenté tout le monde ni. Communauté haïtienne a besoin que la diaspora que l'Haïti, l'a besoin solution et ça nous présenter, ça nous proposer. Yo même tout dans international là, y a pour elle. Mais seulement ça m'a dit yo. C'est pas pour dire il. Y a pas aucune qualité morale jodi a pour dire Haïti mais qui monde qui vous dirige. Yo fait trop longtemps et ça va marcher. Très bien, venons à qui ça ou même moi proposer. Qui ça, qui objectif là? Qui objectif final sort les révolutions? Manifestation ça yo, prise de position ça yo, mandé Ariel Henry. Et après Ariel Henry, on nous dit ou abouti à ce qu'on a faire. Et Ariel Henry, allez, premier ministre Ariel Henry, allez, quatre figures, un exemple. Qui ça qui a passé après? Qui, dans qui ça pays a tombé? Qui sont proposé ou même? Moi, je dis un plan. Grand plan nous-mêmes nous gagnons dans la révolution. Mais semaine ça, nous avons pour parler avec plusieurs autres entités. Et par respect pour vous, il faut quitter toute discussion au fin fait. Et puis pour nous, qui j'en ai qui sont d'accord, qui sont pas d'accord, pour nous présenter le bail nation. Bon, et parole moi, quand il finit, et m'espère que la fini jeudi ou bien demain, ma foi qu'on est plus ou moins, mais qui plan que nous étions avec. Mais nous avons un plan. Bon plan qui est basé sur la voie endogène de développement. Et ça veut dire pour Haïti faire tout ça le cap fait, pour mettre toute richesse, tout ça le gain, pour nous essayer ouais, comment le cap fait Haïti joindre
souveraineté économique, pour Haïti rejoindre souveraineté politique, et pour nous permettre que Haïtiens vivent tant que monde, avec dignité, pour Haïtiens pas obligés à quitter le pays, pour les gens vivent en Haïti, pour qu'ils puissent garder n'importe monde danger, n'importe l'autre nation danger pour dire oui, nous sommes Haïtiens. Et me fier de ça. Donc c'est sous base ça nous-mêmes nous avons fait les programmes nous qui c'est base et la voie endogène de développement comme base qui a retiré Haïti dans sa lia là, craser système qui là, changer système dit craser pas violence, changer système là. Et donc c'est tout ça tout le monde a travaillé là et bientôt on a présenté le bail nation. Donc un plan qui évidemment inclut Guy Philippe, à la tête plan ça comme président, comme chef transition, l'autre transition encore, c'est ça ça y est. Qui peut-être spécifiquement peut-être position pour ou même dans plan ça, qui ça taille exactement. C'est ça qui fait nous dit que n'a parlé avec toute l'autre organisation. Donc si vous parlez et vous dites OK, mais j'ai mais qui condition m'a négocier seulement, sinon m'a pas négocier, qu'on n'a pas sur négociation. Lorsqu'on est sur table négociation, faut tout le monde prêt pour faire concession. Et pour pays, pour la République, je crois que tout le monde a obligé de oublier tête pour nous voir comment retirer Haïti dans sa lia. Ok, un plan que vous avez concerté, vous avez préparé avec l'autre parti politique, l'autre parti concerné qui est souterrain. Et parmi vous, vous avez cité quelqu'un si vous êtes capable? J'aime dire que le peuple public n'est pas capable de faire. Seul ça m'a dit que moi-même, avec parler avec le sénateur Maurice Jean-Charles, et je vais l'autre autorisation, commission autorisation, par là, tout l'autre parti politique pour nous voir comment nous font une proposition sérieuse à peuple haïtien et à la communauté internationale. Très bien. Maintenant, Guy Philippe, il semblerait que force multinationale, ça les MMS, là, qui certainement joint bénédiction aux Nations Unies, qui promote joint support aux États-Unis, ta nan route pour venir implémenter le programme en Haïti. Position en un moment là face à force ça qui a pris à la tête du pays Kenya. M'entendez-le tout, en attendant, qui paye sérieux pour dire la justice paye, il prend décision pour président, comme et président de la République, il dit, même temps de ça, la justice a dit, il a continué à faire. Donc ça déjà bon, ça déjà fort, ouais, nature force cabine dans le pays. Ça déjà montre qui j'en pour, ouais, monde ça au cabine dans le pays. Monde qui va respecter la justice la caille. Donc, je pense que tout le monde ka ouais ça lié. Et si ça force est arrivé en Haïti, à nous dit semaine prochaine ou bien en fin mois, qui j'en pense ça a changé, donné et peut-être même proposition ça qu'on fait à pays à là avec révolution qu'on voulait faire. Si ça force est arrivé. L'on a regardé force ça était au Congo où est ça passé? Tout côté au passé, même la caillou où est comment peuple a pas voulu où est tout crime a fait où est qui j'en traité propre peuple. Où est-ce qu'ils ont été traités au Congo? Dans tout pays, côté force kenyan, ça a passé. Où est brutalité? Ils ont toujours mis sous place. Et Haïti, puis bon. Et bah, moi, je dis non. C'est mon international qui a dit lui. Haïti, puis bon. Force Haïti, puis bon que ça. Donc, on a boué. Qui ça est capitaine de peuple haïtien. Donc, moi, j'espère que rapidement, on a besoin d'entente. On a fait une proposition. Et qui a aidé nous retirer la République. Dans tout que il y a et dans tout que vous voulez mettre là. En attendant, il saute clair là. Pour nous, qui quantité d'armes police nationale gagne, pour nous, qui quantité de force gagne. Si tu as une volonté politique, ensemble avec l'armée d'Haïti, BESA, police nationale, je garantis pas même gagner sécurité dans le pays. Donc, si vous avez la nette, vous mettre pas gagner sécurité pour faire blanc rentrer ou bien pour faire force kenyane rentrer, c'est pour venir protéger le statut quo, c'est pour venir protéger l'intérêt, c'est pour venir continuer à faire des autres dans le pays. C'est pas rien sérieux d'ailleurs. Combien de missions nous, les Nations Unies, nous gagnent dans les derniers 30 ans qui passent là? Plusieurs. Qui ça, j'en fais? Dis-moi, on bagaille sérieux fait qui contribue à développement durable du pays. Rien. Et ça, pas le différent. Très bien. Mais ou même, Guy Philippe, ou même avec proposition de révolution, ça, quoi, évidemment, travail sous lit, ou pas avancé, ou gagne une force armée ensemble avec vous, ou gagne quand même des agents armés avec vous, ou gagne des âmes, ou gagne des gens qui ont même tout pour implémenter la révolution, ça, ils sont armés. Est-ce que c'est correct pour nous dire ça? Non, je ne suis pas correct. Je n'ai aucune force armée avec moi. Je ne suis pas commandant de police nationale, je ne suis pas commandant de l'armée d'Haïti, je ne suis pas commandant de BESAP. Moi, je suis un Haïtien qui a parlé, qui a demandé une révolution, qui invite toute force vive nation pour aider la population, accompagner la population, pour mener nous vers une transition pacifique, côté n'a pas changé structure l'État qui a crasé, qui a sous ces pays depuis trop longtemps. Très bien, permettez-moi et justement bonne opportunité de répondre à une perception et peut-être des gens qui peut-être a regardé de loin et de près, qui peut-être pour comprendre ce qu'on fait, qui a critiqué, qui dit, mais pour qui ça Guy Philippe lui-même pas virer énergie ça, énergie révolution ça, vers problème insécurité pays. A. Et c'est équiper insécurité a, qui justement gagne un bandit là-dedans, gagne qui ont même armé jusqu'au dents, qui a vraiment
terrorisons la population. Pour ça, Guy Philippe, c'est pas ça, lié, c'est réglé. Premièrement, pour régler le problème de sécurité, il faut qu'on ait une autorité dans l'État. Est-ce que c'est responsable police nationale? Est-ce que c'est responsable justice pays et sécurité pays? Est-ce que c'est premier ministre? Est-ce que c'est commandant chef de l'armée d'Haïti? Est-ce que c'est commandant et BESAP? Avec qui ça? À qui fait? Le jour que je me barre à conseil de nègre et je commence à aider à résoudre le problème. Sécurité, si je t'amène des amis qui prêts pour faire la même, yo même encore pour dire c'est terroriste. Yo même encore, si on seul monde qui a mouru, yo va dire que Philippe vient tuer innocent, que Philippe vient assassiner le peuple. Qui ça ouvre les mêmes? Sans pouvoir politique, sans volonté politique, problème n'a pas besoin qu'à résoudre. Et si nous résoudons sans lui, connaissons révolution pour aller en pile sans là-dedans. Est-ce que c'est ça ouvre? Moi, je ne crois pas que c'est ça pays a besoin. Je pense que c'est dans la paix pour nous faire révolution ça. Je pense que nous cap faire si nous voulons faire. Nous espérons que la communauté internationale comprenne que ça l'a fait Haïti n'est pas bon pour suspendre. Parce que c'est lui le premier responsable. Ce n'est pas Ariel Henry le premier responsable. C'est la communauté internationale qui supporte, là, qui soutient, là, qui encourage là, dans toute démarche des mots qu'elle a fait dans le pays. Là. Donc c'est ça que je réponds à mon ça. Jusqu'à présent, Guy Philippe, information qui a circulé, que nous joignons tout. Communauté internationale là, y compris Premier ministre Ariel Henry, gouvernement qui sous place tant, il a supporté, il a prêté côté OIA, et bien Ariel Henry ne font pas jusqu'à ce que l'arrivée organise l'élection. Donc face avec l'information, ça qu'on gagne tout, état de fait ça, qui côté révolution mouvement après aller, et qui sont au même affaire à ce moment-là. En fin de compte, ça dépend de la population. Si nous sommes mobilisés, si nous bataillons pour ça changer, l'a changé. Comme l'international, depuis que vous prenez décision, vous avez dit que c'est esclave pour nous traiter pour toute la vie. Vous avez dit que c'est un coup bête pour nous traiter pour toute la vie. Nous, même comme peuple, nous avons décidé de dire non, ça va pas fait. Ça va pas fait dans le monde, quand nous craser la traite, quand nous craser l'esclavage. Valère, le, en Haïti, vous supportez le dictateur, vous avez dit que le peuple haïtien, par contre, quand il dit non, bah, ça va changer. Ça fait dans tout l'autre pays, dans l'hémisphère, ça. Donc, pourquoi ça ne peut pas faire? Mais en Afrique, ça va faire. En pile changement à faire en Haïti, si le peuple a voulu le fait. Mais encore une fois, il demande des sacrifices, il demande pour nous croire dans sa affaire, il demande des déterminations, il demande des stratégies. Donc c'est pour ça que je dis oui, changement à fait. Même là où pas voulu, même là où fait toute la magouille, fait statu quo à camper avec toute l'argent, toute force, toute corruption, toute corruption. Il a mis toutes les armes dehors. Mais si le peuple a lui-même, nous camper red, si diaspora a camper red, si Haïtien a camper ici, nous camper red, il a changé vers là. Très bien. Donc par mobilisation, mettez moun dans la rue, foule en masse, capable peut-être forcer international à forcer pour le ministère à y aller. C'est peut-être scénario ça qu'on présente. Ce n'est pas scénario même genre. Alors, ça rappelait nous peut-être 2004, c'est pas même scénario à côté que eh ben, Guy Philippe a pas avancé sous Port-au-Prince et puis finalement, et ça arrivé à dériver. C'est pas la même chose. Scénario différent, je dis. Et Mbrala, je vais vous demander au même moment. Vas-y. En 2004, on va promettre une révolution pacifique. En 2024, on dit une révolution pacifique. Depuis la première fois, on parle de révolution, que ce soit dans Jérémy, dans Anzeno, dans Tigouave, dans Wanamet, dans Gonaïve, tout côté, on dit qu'on parle de révolution pacifique. On va connaître qui ça, on ne va pas comprendre dans le pacifique. Très bien. Il est très clair dans ce moment-là. C'est que aussi clair qu'on est capable. Dili, révolution pacifique. Guy Philippe, ou pas au prince, à ce moment-là, une vidéo qui a circulé sur tout réseau, côté Ottawa, dans Pétionville, sous place Pétionville, ou à Baïmoun, dans mer, où tu as un accueil très chaleureux de population. Et c'est sûr que stratégiquement, peut-être, ou pas répondre à question. Mais où tu es vraiment Pétionville, ça? Il y a des gens qui disent son vidéo que tu as fait la veille ou bien quelques jours avant. Et dans un moment, qui est-ce que tu as Guy Philippe? Eh bien, s'il a fait la veille, ça veut dire la veille, il n'est pas au prince. Donc, je me déplace Boye, je me déplace Saint-Pierre, bien sûr que je me déplace Boye, je me déplace Saint-Pierre, et tout le monde était au M, ça le plusieurs chauffeurs moto, plusieurs monde qui est sous place. Oui, bon d'ailleurs, sous le gouvernement fait toute bagaille que le fait là, pour l'assassiner, toute innocence, c'est parce que je connais là, et je suis déterminé pour mal la manifestation du peuple là, je me mettre là, sous le canapé, je me déplace commencer, et je me dans l'autre côté. Et c'est ça qui fait que criminel en dans primature, criminel quand ça m'a avec le Premier ministre Ariel Henry, joignent l'argent. Ils ont financé et ont assassiné innocents. Et là, on retourne un petit crasse sur ça. Ou tu as le là, ou tu as cité des noms. Ou cité, ou nommément dit, mais qui moun, d'après vous, qui fait Zach ça. On a parlé de Joseph Février, côté que des agents BESAP qui assassinés par la police nationale. Là, c'est ça. C'est ça qu'on insinue là. Et qui sont les comme indices, ouais. Qui sont dit que c'est moun ça. Si vous voulez aussi citer un nom moun ça. Pour qui ça, c'est moun ça. Moi, je dis, dans la révolution. Dans la révolution, service intelligence, pas nous, nous connaissons, nous jouons et nous jouons information qui sûre
mais qui moun qui fait, mais qui moun qui t'a planifié, mais qui moun qui pote l'argent, mais qui moun qui baille l'autre assassiner monsieur. Donc non moins bon yo c'est ça oui. Ou mettre quoi dans samedi là et me camper derrière samedi. C'est yo bon assassin. D'accord, on allait encore une fois passer dans une année moi peut-être songer non Patrick dans mes villes ou accusé d'accord. Et... Non non. Moi dit yo yo là yo sur record ou venir. Donc excusez-moi qu'on est m'obligé à aller parce que sécurité me dit m'obligé. Certainement. Bano, nous comprenons, nous respectons ça. Dernier message, peut-être une bonne opportunité, second message pour lancer pour avant aller. Le dernier message avant révolution à continuer. Dernier message à ma petite peuple, pas décourager, rete mobilisé, en continuer. N'a privé. Ou de l'antigen longue, nous avons un gros ennemi devant nous. 220 ans depuis y a crasé, y a tué nous, y a soucié nous. Mais nous, même les longues, nous avons brûlé cette lumière. Dans le tunnel là. Nous pourrons jouer une lumière. Et nous avons lumière. Haïti a sauté dans sa lia. Kebela, Haïtien dans la diaspora, yo, merci en pile pour tout le support. Nous. Haïtien en Haïti, yo, merci en pile pour toute force, tout courage, toute détermination. Nous sommes obligés de continuer. On continue pour Haïti. Merci. Guy Philippe, merci en pile. D'avoir David Gabjon, gros merci. Merci. Donc encore une fois, on a rappelé que Guy Philippe saute parler ensemble avec nous. Li, évidemment, nous poser des questions qui côté lié dans le moment. Et la question n'a pas été répondue, nous comprenons ça. Mais en tout cas, c'est ton plaisir pour nous gagner. Depuis Haïti, nous allons côté lié. Guy Philippe qui, encore une fois, a relancé un mot d'ordre pour une révolution pacifique. Elle expliquait clairement son révolution pacifique. C'était Valerio Saint-Louis pour VOA Creole depuis New York.